que tout aille bien dans la vie, finalement. Me raser, je pourrais passer un an dans le bois sans me raser. Bonjour mon beau Camtos, j'aimerais tellement que tu m'interprètes si ce soir j'avais la chance. Ce soir, je sors de chez moi pour aller à l'hôtel le plus proche, me perdre dans mes souvenirs, pour grand chose au fond des poches. La musique joue des airs connus sur lesquels on s'est embrassé. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés, sans pourtant que tout recommence. Juste quelques heures pour s'aimer. Mais je suis seul à ma table et l'alcool commence à monter. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés. Pleurer et que je dors toutes mes nuits. J'ai fini de me torturer, même si je sais que tu dors avec lui. Alors le fond de cette bouteille sera juste pour moi, ma jolie. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés, sans pourtant que tout recommence. Juste quelques heures pour s'aimer. Mais je suis seul à ma table et l'alcool commence à monter. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés. Si ce soir j'avais la chance, je dormirais à tes côtés. Bienvenue à Fans the Country. Cette semaine, mon invité, Carl Cadorette. Salut, Carl. Salut. Ça va bien? Oui. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours musical parce que ça fait déjà plus de 20 ans que tu roules ta bosse dans la musique. Comment ouais. Ça a commencé? Bien, ça a commencé karaoké. J'étais quand même assez, là, 20 ans à peu près. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après ça, je suis tombé dans un band. On a fait la tournée des bars au Québec. Après ça, on est parti en duo. Après ça, j'étais en solo. Puis là, j'ai continué à faire les bars au Québec. Puis depuis quelques temps, j'ai fait beaucoup de festivals country. Je suis tombé pas mal dans la soupe, comme ils disent. Oui, disons que 2018 a quand même été, je dirais, ta plus belle année dans les festivals country. Tu as foulé plusieurs planches des festivals au Québec cet été. Bien, en fait, le festival country, ça a commencé l'année passée. Ça fait 2 ans que j'ai découvert le milieu country. Je savais même pas que ça existait avant. Okay. J'ai toujours aimé ça. J'ai grandi là-dedans, mais je ne savais pas qu'il y avait un marché pour ça. Comment tu as découvert ça? Bien, ça faisait des années que je voulais aller au Festival Country de Longueuil, mais je ne pouvais jamais parce que je travaillais tout le temps les fins de semaine. Okay. Puis la fin de semaine que j'ai pu y aller, j'y étais. Puis je me suis rendu compte qu'ils chantaient toutes les chansons qu'on faisait dans ma famille quand j'étais jeune. Fait que j'étais comme
wow! Puis là, je me suis vraiment... Ça t'a ouvert, ouais, ouais, ça t'a ouvert la porte. J'ai vraiment foncé là-dedans, j'ai trippé au bout. On parle de ta famille. Je sais que tes parents ont une place hyper importante dans ta vie. Je crois que c'est de cette place-là que tout a commencé. Dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment ça se passait quand tu étais jeune, tes racines. Qu'est-ce qui jouait quand j'étais jeune, les parties de Noël, jour de l'an, c'était incroyable. On faisait des chansons répondre jusqu'aux petites heures du matin, 2-3 heures du matin. Puis à partir de là, on se mettait à tomber dans le western. Ça veut dire que la soirée était vraiment presque finie. Mais non, en même temps, parce que ça finissait à peu près à 6 heures du matin, 6-7 heures. Mais de 3 à 6-7, on faisait que du western. Puis c'est comme ça que c'est là-dedans que j'ai grandi, en fait. OK. Puis tout ça a apporté, bien sûr, un album que oui. Tu nous as concocté, qui est sorti... au mois de mai cette année. Cette année. Oui, au Bar L'Enjeu. On a fait ça avec le groupe Sildan. Il y a 5 chansons dessus, 2 reprises, puis 3 compositions. Parce que tu composes tes chansons. Oui, je compose mes chansons. C'est ça, il y a 3 compositions là-dessus que j'ai faites moi-même, puis avec l'aide de beaucoup de musiciens, en fait, là, que j'ai découvert au cours des 2 dernières années. Puis est-ce que tu as combien de compositions à ton actif? Bien, dans le country, j'en ai pas tant que ça. Premièrement, je suis pas quelqu'un qui est très... Sinon, tu composes quoi si c'est pas du country? Bien, avant, j'étais plus dans le folk québécois, là, comme un peu populaire, plus populaire. OK. Mais là, je veux vraiment mettre mes efforts sur la musique country, western, québécoise, francophone. Puis c'est ça. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à composer, fait que j'ai peut-être 8 tonnes à peu près. Là. Je suis pas très, très productif côté compos. Je l'ai jamais été, d'ailleurs. Mais, donc, tu te considères pas tant comme un auteur-compositeur? Ben oui, mais pas productif. OK. Mais les compos que je fais sont bonnes. Fait que au moins ça. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un nouvel album sous peu? Bien là, celui-là vient de sortir, mais je vais commencer à travailler bientôt sur le prochain. J'ai déjà des chansons, en fait, en banque, là, fait que... OK. Donc, tu es encore en promotion de ton album « T'es bien comme ta mère ». Oui, exactement. Est-ce que tu t'inspires beaucoup de ta vie personnelle ou est-ce que tu te mets plus souvent dans la peau des autres? Bien, celui-là, ça a été pour ma vie personnelle, mais j'ai écrit des chansons souvent... Bien, pas souvent, mais j'ai écrit des chansons qui étaient inspirées de... d'histoires entendues ailleurs, là, qui ne me concernaient pas moi vraiment. Mais j'étais capable de me mettre dans la peau des gens pour écrire des textes qui, finalement, c'est un bon résultat là, quand même. Okay. Même si ce n'était pas mon histoire à moi, c'était, le résultat est bon. Pour tous ceux qui voudraient te suivre, on va sur ta page CC Country. Et puis maintenant, on va aller voir ta capsule fan. Merci. En cette journée pluvieuse, je me retrouve à Longueuil pour aller rencontrer Danielle, une des fans de Karl Cadorette. Allô, Danielle! Hey, allô, Cathy! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui! Oui. Écoute, on s'en vient jaser de Karl aujourd'hui. Ah oui? Bon, parfait. On y va? Ah, on y va! Super! Il repose juste pour elle, belle Angeline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je vois que tu nous as préparé des objets qui ont rapport avec Karl. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. J'aimerais ça qu'on commence ici avec la photo. On peut la montrer peut-être un petit peu. Ici. Ça, c'est quoi, cette photo-là? Ça, c'est une des premières photos qu'on a prises ensemble du temps qu'il était... Bien, il était encore chansonnier, mais quand il était chansonnier à mon ami Pierrot. Okay. Dès le premier temps qu'on se tenait ensemble. Qu'on voit avec des cheveux. Ça a changé un petit peu depuis. Ouais, et ça aussi. Fait combien de temps environ de cette photo-là? Ça, c'est un bon 17 ans. 7 ans? 17. 17 ans? Oh my God, OK. Oui, oui. OK, OK. Puis ici, on a un petit billet. Ça, c'est quoi, ça, le petit billet dans le coin ici? Ça, c'est un show qu'on est allé voir ensemble. C'est un cadeau de Noël que j'y avais offert. OK, parce que... Karl, je pense qu'il aime beaucoup Richard Desjardins. Oui, tout à fait. Hein? Un de ses idoles pour un les... Un de ses inspirations et idoles et ouais. Grand poète. Donc, il était très content d'aller voir le spectacle? Très. Quelle a été... c'était quoi sa réaction?
On était dans les rangées, dans les premières rangées, puis que ça l'a ému beaucoup. Oui, c'est ça que tu me disais tantôt. J'aimerais ça que tu me refasses là, la face un peu qu'il a faite, puis tu me dises qu'est-ce qu'il a fait. Oh mon Dieu, on est ben, il est donc bien proche de nous autres. Donc, elle était vraiment content. Donc, un beau cadeau que tu lui as offert. Oui, on a passé une super belle soirée. Ah, ben j'en doute pas. Puis ça, dans le fond, là, on va continuer dans la lignée des cadeaux. J'ai celui-là ici. Ça, c'est mon un de mes cadeaux de fête que j'ai eu. Parce que monsieur sait que j'adore tout ce qui est Inca, tout ce qui se rapporte au Mexique. OK. Donc, il t'a offert... Il a pris le temps de m'offrir quelque chose qui a sujet à ça. Alors, Jonathan, raconte-moi comment tu as rencontré Carl Cadon. C'est assez spécial comme histoire. Carl, il jouait dans un bar comme chansonnier. Moi, je vais rarement dans les bars, honnêtement. J'ai fait ma période de ça. Puis, j'étais avec une amie, on décide de sortir. Je rentre dans le bar, j'entends une voix. Puis, c'est pas une blague, là. J'entends une voix qui est venue. Je sais pas, ça m'a transporté. Ça m'a carrément transporté. Je capote sur sa voix carrément. Fait que, à l'entraque, quand il a pris une pause de son show, il est allé fumer une cigarette dehors, puis je suis allé le voir. J'ai grandi dans le country, dans le Hank Williams, dans toutes ces choses-là. Puis c'est rare dans la jeunesse d'aujourd'hui qu'on va trouver des gens qui connectent. Qui partagent exactement, cette même musique. Qui partagent ça, puis qui connaissent ça. Oui. Fait que finalement, je reviens, petite parenthèse, je retourne dehors, je vais voir Carl, je dis « wow », je dis « je sais pas comment te féliciter, j'adore ta voix, j'adore ce que tu dégages ». Puis de fil en aiguille, on commence à parler d'artistes qui nous animent, qu'on aime beaucoup. Puis on réalise qu'on les connaît toutes, on connaît les mêmes, puis on aime. Puis on capote tous les deux parce que là, Carl, il dit, moi, je peux jamais parler de ça avec personne. Puis là, moi non plus. Puis là, waouh, 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 waouh. Puis on est tout contents. Fait que ça a vraiment commencé à ce moment-là. Il y a une connexion qui s'est faite. Daniel, raconte-moi comment tu as découvert Carl en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, bien, Carl était. Bien, il est toujours chansonnier dans les bars. Il y a un soir après mon travail, je suis sorti dans un bar, j'ai retrouvé mon groupe d'amis. Puis Carl en faisait partie parce que ça se trouve être cousin-cousine et tout. OK. Puis moi j'adore la musique et tout, ben je l'accompagnais souvent dans ses spectacles. Ouais, ouais, ouais. Mais là, t'es allé au bar et puis là. Tu l'avais pas reconnu? Ben non, ça faisait plusieurs années que je l'avais pas vu. Maintenant, avec sa sœur, sa cousine et tout, moi, tout ce que je connaissais de Carl, c'est un petit bonhomme qui jouait dans son sous-sol de maison, un peu de guitare puis un peu de drum aussi. Son cousin m'a dit « Tu le reconnais pas? » J'ai dit « Ben non, c'est Carl. » J'ai dit « Mon Dieu, il a donc bien grand changé, tu sais, tout ça. » Puis c'est ça, on s'est jasé après son set et tout. Puis il m'a demandé, il dit « Oui, je me souviens de toi, tu tenais avec ma soeur. » Ce serait le fun. Il dit « Il me semble que t'es quelqu'un qui va à pêche. » Je dis « Ouais. » Ben il dit « On va à pêche demain. » Puis depuis ce temps-là, ben on se tient ensemble, puis on s'est jamais lâché vraiment. Ça a été une amitié ouais. Qui s'est consolidée. Ouais, 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 ouais. Donc... Ouais. Bien sûr, t'as assisté à son évolution musicale. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et là, il a sorti son album tout dernièrement. Oui. Est-ce que t'as une chanson préférée sur l'album? Ce soir, j'avais la chance. Pourquoi? Ben, c'est tellement des belles paroles. J'ai toujours aimé la façon dont il décrivait ses textes. J'adore ses textes, puis celle-là, bien, est spéciale. Sa façon d'écrire, la façon de rassembler les mots. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces merveilleux moments. En terminant, as-tu une demande spéciale pour notre ami Carl? Ah, ben là, je vais me gâter, hein? Il astine tout le temps, il veut jamais dans le bois chanter pour moi. Fait que là, Carl, moi, je te défie, t'es bien comme ta mère. Parle pas trop fort, il y a le voisin qui dort. Mais parle pas trop fort, j'ai mal à la tête. T'es jamais content, Dieu vraiment rien à faire. T'es bien comme ta mère. Ça fait des années que j'ai pas travaillé.
joue de la guitare du matin au soir pour devenir une star. Tu comprends pas tout ce que je vis. Une chance que j'ai ma meilleure amie, ma bouteille de whisky. Mais parle pas trop fort, y'a le voisin qui dort. T'es-tu obligé de me crier après à toutes les soirs? Mais parle pas trop fort, j'ai mal à la tête. T'es jamais content, y'a vraiment rien à faire. T'es bien comme ta mère. Je peux pas travailler, composer des chansons, puis faire le ménage, puis leur passage. J'suis pas un surhomme, mais toi et ma blonde, t'es super. Ça fait que j'vais te laisser toutes les tâches ménagères. En attendant, faut que j'm'assise sur le divan, que j'compose l'album avant la venue d'automne. Mais j'pourrais-tu te demander une dernière affaire? M'amènerais-tu une bière? Qui dort? Es-tu obligé de me crier après à toutes les soirs? Ne parle pas trop fort, j'ai mal à la tête. T'es jamais content, y'a vraiment rien à faire. T'es bien comme ta mère. Savoir que tout ce que je fais là, c'est juste pour te plaire. Je te l'avais juré que je serais populaire. C'est qu'aujourd'hui, je veux juste te donner la vie que je t'ai promis. Nous voilà maintenant rendus au segment Top Chrono où l'invité prend le contrôle de l'entrevue. Ici, Carl, tu as un bol correspondant à des numéros de questions que c'est moi qui ai écrit les questions. Et ici, ça, c'est tes questions à toi. Okay. Donc, tu piges une question. Ensuite, tu dois y répondre. Par contre, dans mes questions, si jamais ça te tente plus ou moins de répondre, tu peux utiliser un ricochet et ce sera moi qui sera obligé de répondre okay. à la question. Okay. Alors, je t'invite à commencer. Numéro 3. De qui voudrais-tu faire la première partie? Hey boy. Je te lance un ricochet. Hein. Déjà? Ouais. De qui je voudrais faire la partie? J'aimerais probablement faire la première partie de Shania Twain. Sinon, dans les hommes, Brad Paisley, Keith Urban. Quelque chose comme ça. Bon, des vedettes américaines. Oh, on entend la vache. Question numéro 12. Quel serait ton voyage idéal en moto? Moi, je suis tellement... Peut-être la Gaspésie. Ouais. Faire le tour de la Gaspésie ouais. en moto? J'ai pas, ouais. Est-ce qu'il y a un long voyage que tu as fait déjà en moto? Non, pas vraiment. C'est la Gaspésie en moto, c'est quand même déjà loin. Là, pas de route 66? Non, je suis pas vraiment un voyageur, moi, en fait. J'aime bien Québec. Fait que... OK, on n'a plus le temps. Okay. Rejoins le boule! Attends.
OK, numéro 6 ou numéro 9, fais comme tu veux. Non, numéro 9, t'es dans les impairs. Ah, c'est vrai. Quel artiste aimerais-tu rencontrer, mort ou vivant? Dwight Yoakam. Pourquoi? Ben c'est mon chanteur country préféré. J'adore sa voix, j'adore ses tunes. Ouais. C'est Gene Seri. Ouais, non, vraiment, j'adore ce gars-là et j'adore ce qu'il fait. Fait que j'aimerais ça peut-être rencontrer lui. Ben sait-on jamais, hein? C'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver incessamment. Oui. Numéro 4. Question numéro 4. Quel métier exercerais-tu si tu n'étais pas chanteur? Si j'étais pas chanteur, je peux-tu rester dans la musique quand même? Ou... C'est comme tu veux. Ben dans la musique, j'aurais aimé ça être drummer. OK, donc t'aurais aimé ça jouer du drum pour un groupe? J'aurais vraiment aimé ça être drummer. Sinon, je sais pas, j'ai pas de... Donc on reste vraiment dans la musique. Ouais, ouais. OK, prochaine faut question. Rester dans la musique. Numéro 1. Question numéro 1. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois... Je pense que ça va bien aller dans mon country au Québec. Je pense que je vais avoir une belle carrière. Puis, ouais, c'est là que je me vois dans 10 ans. Je me vois comme au top un peu de la patente. Ben, au top, avec les... Puis ça serait quoi le top de la patente? Ben, ça serait de pouvoir en vivre, mettons. Juste en vivre. C'est cool. OK. Numéro 2. Quelles sont tes passions en dehors de la musique? La chasse. La chasse? Ah ouais, j'adore la chasse. Tout ce qui est plein air, j'adore ça. À part de ça, c'est vraiment ça, je pense, moi. La chasse, c'est vraiment ma passion. Donc, pas de lecture, pas de sport. Non, ben, le jiu-jitsu brésilien aussi, j'en fais depuis une couple d'années. Fait que, OK. Ouais, mais la chasse, c'est vraiment au top de mes passions, à part une vie. OK, parfait. Prochaine question. Numéro 11. Number 11. Es-tu nerveux avant un spectacle? Yeah. Ouais, tout le temps. Tout le temps, c'est ridicule. Le monde, il... Ceux qui me connaissent, ils trouvent ça drôle, là, mais ils me connaissent tous. Fait que, ouais, je suis tout le temps nerveux. C'est rare que je ne suis pas nerveux, ça l'arrive, là. Mais la plupart du temps. Dans quelles circonstances ça peut arriver que tu n'es pas nerveux? Quand je suis vraiment dans mes pantoufles, ben même encore là, il y a tout le temps un stress. Puis tu fais quoi? As-tu un petit quelque chose que tu fais pour. Je fais ça un petit peu à la télévision. OK, parfait. On ne sait pas. De toute façon, on a le temps. Numéro 8. Combien de jours peux-tu passer dans le bois sans te raser? Sans me raser? Me raser. Je pourrais passer un an dans le bois sans me raser. Je m'en fous pour vrai, là. Ouais, je suis passé bien du temps dans le bois sans me raser. C'est vraiment ton élément. Le bois, je pense que si on te demande le bois ou la ville, d'après moi... Quand je suis rendu là, je suis rendu un homme des cavernes. Fait que je m'en fous vraiment du rasoir. Là. Je regarde même pas ça, en fait. OK, parfait. Prochaine question. OK. Numéro 5. Numéro 5. Quel est ton plus grand rêve? Juste continuer à faire de la musique, je pense, puis juste que tout aille bien dans la vie, finalement. J'ai pas de grand rêve. T'as pas de grand rêve? Juste faire de la musique, puis garder ma santé peut-être le plus longtemps possible. D'ailleurs, faudrait que j'arrête de fumer pour ça. Oui, c'est ça. Ça s'en vient bien. Attention, nous fermons les portes. Alors, c'est maintenant terminé. Merci beaucoup, Carl, de t'être prêté au jeu. Merci. Et nous, on continue en musique. Salut, ma belle Cathy. J'aimerais ça que tu m'interprètes « You and me ». You and me were always with each other before we knew the other was ever there. You and me, we belong together just like a breath meets the air. Told you if you'd call, I would come running across the highs and lows and the in-betweens. You and me, we've got two minds to think as one, and our hearts march to the same beat. They say everything, it happens for a reason. You can be found enough, perfect for a person, someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me.
You and me were searching for the same light, desperate for a cure to this disease. Well, some days are better than others. I fear nothing as long as you're with me. They say everything, it happens for a reason. You can be found enough, but perfect for a person. Someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. They say everything, it happens for a reason. You can be found enough, but perfect for a person. Someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Oh, that's you and me, yeah, yeah. Oh, that's you and me. That's you and me. Merci à Sylvain Auclair d'avoir joint sa voix à la mienne pour la chanson You and Me. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine à Fans de Country, je reçois Marie-Hélène Thibert. C'est un rendez-vous.